for him. De Dieu, nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir encore aujourd'hui après notre enseignement sur comment suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore avec un autre message que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Avant de vous annoncer notre thème d'aujourd'hui, on va d'abord prier. Seigneur Dieu, sois béni, sois élevé. Merci, toi qui es Alpha Omega, le commencement et la fin de toutes choses. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Papa, pour partager ta parole. Nous nous recommandons avec tes saintes mains. Seigneur Dieu des armées, dirige-nous pendant ce moment. Comme il est écrit, seront tous enseignés de Dieu. Papa, nous sommes là pour que tu nous enseignes. Enseigne-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ce que tu veux pour nous. C'est en ce jour. Yahweh, ouvre notre intelligence pour comprendre ce que tu veux pour nous et que laisse que les messages de ce jour puissent nous apporter la vie, tout le nécessaire qui nous a pour besoin. Père, parle. Nous sommes là, tes disciples, tes enfants. Parle-nous, Seigneur des gloires. Révèle-nous ta pensée et que nous prions que ta volonté soit faite dans nos vies à travers les messages que nous allons écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons parler d'un sujet. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la marche dans le désert. La marche dans le désert, c'est ça notre message d'aujourd'hui. Notre thème est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 8. On peut lire les versets 2 et les versets 3. Il est écrit: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ici, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Dans le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans de marche dans le désert. Et ici, à la 40e année, le Seigneur leur donne ces messages. Il leur dit de se souvenir de tous les chemins parcourus pendant les 40 années de vie dans le désert. Et le Seigneur dit même les raisons pour lesquelles ils ont fait 40 ans. Ici, nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce que le désert. Le désert, c'est quoi? Nous savons tous. Le désert, c'est un milieu où il y a
un problème d'eau, il y a un problème de pluie, il y a un problème de végétation. Dans les déserts, il y a un certain type de vie dans les déserts. Dans les déserts, nous savons que c'est difficile de trouver de l'eau. Et dans les déserts, on ne trouve pas les mêmes végétations comme dans d'autres places qui ne sont pas désertiques. Les arbres qu'on trouve dans les déserts sont différents des arbres qu'on trouve, par exemple, dans la région, par exemple, équatoriale. Maintenant, le désert a aussi un sens spirituel pour nous, les enfants de Dieu. Lorsque nous parlons de la marche dans les déserts, nous ne voyons pas les déserts physiques que nous savons tous, mais nous voulons parler plutôt de notre désert dans le sens spirituel. Lorsque nous parlons des déserts, les déserts et l'image des situations difficiles, des moments de souffrance, des moments où les choses ne marchent pas dans notre vie. Lorsque nous parlons du désert, nous voyons c'est aussi une vie sans Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est l'eau de vie. Et là où l'eau n'est pas là, cela veut dire qu'il y a un problème de vie. Donc, l'eau, nous savons que notre Jésus-Christ est l'eau de vie. Donc, les déserts ont aussi un sens d'un endroit où il n'y a pas de vie, là où Jésus n'est pas là. Lorsque nous parlons du désert, le désert aussi est l'image de ce monde où nous vivons. Ce monde aussi peut représenter notre désert. Maintenant, comme nous avons compris le sens du désert, dans notre sujet, nous allons aborder les déserts plutôt dans un sens spirituel que dans un sens physique que nous connaissons tous du désert. Nous voulons savoir pourquoi le Seigneur nous fait passer dans les déserts. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Pour arriver à la terre promise, ils devaient passer par les déserts. Et pourquoi le Seigneur a permis qu'ils passent dans les déserts? C'est ça, ce que nous allons essayer un peu de réfléchir ensemble pour que nous puissions savoir pourquoi Dieu nous fait entrer ou nous fait passer dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance. Ici, nous voyons, on nous dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier. Donc, la première raison que nous voyons, le Seigneur, il fait passer son peuple dans le désert pour humilier son peuple. Donc, nous pouvons aussi dire, si le Seigneur permet que nous puissions passer dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, c'est pour que nous puissions apprendre l'humilité. L'humilité est très importante dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit, soyez humbles comme la colombe, prudents comme les serpents. Le Seigneur Jésus qui envoie ses disciples pour aller faire son travail, pour aller gagner les âmes, pour aller annoncer la bonne nouvelle, il leur dit d'être humbles comme la colombe et prudents comme les serpents. Et pour servir Dieu, on a besoin d'être humbles. Et Dieu, pour que nous puissions apprendre l'humilité, il peut nous faire passer dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté. Parce que les déserts, c'est aussi l'image des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de persécution. Donc, c'est un peu ça. Donc, là,
nous voyons la première raison pour laquelle le Seigneur permet que nous puissions passer dans les moments difficiles. C'est pour que nous puissions apprendre l'humilité dans notre vie. C'est pour que nous puissions devenir humbles, parce que l'humilité est très importante dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Une autre raison que nous pouvons donner, selon ces textes, si on le dit, c'est pour nous éprouver. Donc, le Seigneur permet les difficultés, les moments, les souffrances, c'est pour nous éprouver. On nous dit, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Donc, les moments de difficulté, les moments de souffrance sont là pour nous éprouver. Ce n'est pas une tentation, parce que la Bible nous dit, Dieu ne nous tente pas, Dieu ne tente personne. Le tentateur, c'est le diable. Mais Dieu nous éprouve. La raison de notre épreuve, on nous dit, premièrement, c'est pour voir les dispositions de notre cœur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est au-dedans de nous? Qu'est-ce que nous cachons dans notre cœur? Malgré qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, malgré que nous avons dit que je vais suivre Jésus, mais qu'est-ce qui est caché derrière notre décision? Est-ce que sommes-nous disposés à suivre Jésus-Christ? Voir les dispositions de notre cœur et on nous dit, et voir si nous allons garder les commandements de Dieu. Donc, les épreuves, les difficultés sont aussi là pour que nous puissions montrer si nous serons fidèles. Dans notre enseignement sur comment suivre Jésus-Christ, nous avons dit, si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, nous devons être armés de la pensée de la souffrance. Savoir que en suivant Jésus-Christ, les choses ne seront pas toujours roses. Il y a aussi les épines, il y a la souffrance. Et en tant que disciples de Christ, nous devons être armés de la pensée de la souffrance. Nous devons être armés qu'en acceptant de suivre Jésus-Christ, la souffrance va venir, les problèmes vont venir, les difficultés viendront, mais je dois continuer à suivre Jésus. Je dois persévérer, je ne dois pas abandonner le Seigneur. Ça c'était quelques raisons, mais on va encore continuer avec les raisons pour lesquelles le Seigneur nous fait passer dans le moment de la souffrance dans notre prochaine vidéo. Donc, vous déconnectez pas, soyez toujours connectés et nous allons continuer dans notre prochaine vidéo. Vous aurez la suite sur pourquoi le Seigneur nous fait passer dans la souffrance. Que Dieu vous bénisse. Come on, you make it your prayer.